Bonsoir à tous. On se retrouve pour la sixième partie du speedrun de Resident Evil Remake avec Jill, toujours en mode normal bien sûr. Donc on va charger la numéro 8. Donc on en était. Déjà les rubans dégagent, ça c'est bon. Alors voilà, donc maintenant on va ouvrir la dernière porte avec, ouais, donc là c'est dans le hall qu'il faut que j'aille. Donc là on va aller c'est faire l'énigme du puzzle. Ouais, par contre j'ai plutôt intérêt à les esquiver ces deux cons. Ce qui va pas être une... Putain. Deux hunters. Le premier je sais pas, mais le deuxième normalement. Ouf. Ouf ouf ouf. Ben j'ai eu de la chance, tant mieux. Au moins, je suis tranquille. Donc là, on doit descendre. Donc ici, on va déverrouiller la dernière porte avec la clé casque, qui est celle-ci. Comme ça on peut jeter la clé et on va aller chercher la boîte à bijoux là. Enfin, ouais, boîte à bijoux. Ah ouais, il y a un zombie là-bas en plus. Bon. T'es mort. Bon, on est tranquille comme ça. Alors le poignard, ouais, je sais pas si j'en aurais bien, mais... Alors là, la boîte à bijoux. Donc on associe la boîte avec ça, comme ça on peut la déverrouiller. Enfin ouais, pour la déverrouiller faut encore faire l'énigme. Alors, celui-là, on le met ici, hop, celui-là, on le met voilà, comme ceci, ensuite, merde, je sais plus c'est lequel des deux. Je crois que c'est celui-là. Ici. Voilà. Ensuite, celui-ci. On le met. Là. Et celui-là. Il va ici. Voilà. Bon, ben j'ai faim sans faute, c'est tant mieux. Ça nous fait gagner du temps. Alors, maintenant, ouais, je vais ramasser ça.
matière. Donc, ce qu'on vient d'avoir, c'est la clé emblème. Par le cimetière, donc c'est par ici. Donc là, on va aller dans la pièce, déverrouiller la porte avec la clé emblème. J'espère que j'avais buté ce hunter là d'ailleurs. Enfin, je suppose. Donc oui, pour ce qui est des vidéos déjà enregistrées, j'ai la partie 4 et la partie 5 qui sont déjà qui ont été enregistrées bien évidemment, mais elles ont aussi elles sont déjà montées. Je n'ai plus qu'à les upload toutes les deux. Ici, une fois que j'aurai terminé l'enregistrement de celle-ci, donc de cette partie ici, je ferai le montage. Et une fois le montage terminé, j'uploaderai la partie 4, enfin ce que j'ai déjà enregistré et monté, quoi. Donc partie 4, 5 et 6. Ça c'est l'objet métallique, ok. Donc ici, on s'en fout du reste. Ensuite, maintenant, ouais, si c'est bien ça. Et avec ma chance, je vais encore me faire empoisonner. Enfin, c'est pas nouveau. Donc, ouais, et aussi à l'heure où je tourne cette vidéo, comment? J'ai mis en ligne, j'ai mis en public sur YouTube là. C'est la partie 3 du speedrun. La partie 4 sera mise en ligne sûrement sûrement ce soir ou demain. On verra bien. Donc voilà. Alors ici c'est ouais, le premier passage, ouais, c'est ça. Bon, avec le serpent à mon avis je vais quand même me faire avoir. Enfin comme à chaque fois de toute façon, chaque fois que je passe, chaque fois faut qu'il y en ait au moins un qui me touche. C'est des connards tout simplement. Et allez, une. Bon, je ne me suis pas fait empoisonner, c'est déjà une bonne chose. Là, j'avais tué les chiens. Donc ça, c'est tranquille. Donc là, on vient ici pour mettre c'est la batterie. Donc la batterie, c'est par ici. Donc on doit la mettre ici. Hop. Ensuite, comme ça on peut prendre l'ascenseur ici. Je me plante pas. Alors là, on doit retourner à la piscine.
parce qu'on va remettre l'eau dans la piscine. La manivelle, elle est là. Allez, grouille-toi. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, maintenant, on va reprendre l'ascenseur. On en est à... Je pensais pas que ça serait aussi rapide. Ouais, donc je crois que la sauvegarde... Je crois qu'on ira jusqu'à la sauvegarde 10 peut-être dans cette vidéo. Quitte à ce que ça soit assez long. Ouais, par contre, j'aurais peut-être intérêt après. Ouais, quoi que prévoir le coup. Ouais, pas forcément, j'ai mon idée. Donc ici, on va par ici, donc dans la grotte, vu que on a arrêté la cascade. Le problème, c'est que je vais me taper des hunters. Je vais en avoir 1, 2, 3 hunters. Donc, on va par ici. Là, on va récupérer auprès d'Enrico la manivelle hexagonale. Et juste après, je vais avoir deux hunters ici et un hunter près de Enrico. Le problème, c'est que je n'ai que le pistolet infini. Mais je vais tenter de les tuer avec le pistolet infini. J'avais déjà fait le test une fois dans mon premier ou dans mon deuxième speedrun, quand je m'entraînais. Et j'avoue que ça marchait quand même assez bien. Mais maintenant, bon, ça dépend peut-être des fois, j'en sais rien. Ça dépend peut-être d'où le personnage tire. Comment. Donc, je ne sais pas. En tout cas, j'espère que je vais pas avoir trop de problèmes. Alors, voici la manivelle hexagonale. Donc, là, je vais me taper un hunter tout de suite. Quatre balles du pistolet infini pour le tuer, ben franchement. Ouais. Bon ben. Comme quoi le pistolet infini fonctionne bien. Bon maintenant le tir. Le fait qu'il tire un peu plus vite que l'original. J'avoue que ça aide. Attends, qu'est-ce que je fais? C'est par là ou par ici? Ouais bon, je vais le faire à mon habitude parce que. C'est encore ça. Ouais. Ça va, c'est pas le flic. Alors, ici, il y en a deux. Je continue de tirer parce que je savais bien qu'il y en avait un deuxième en arrière. Déjà. Eh ben franchement, des hunters au pistolet. Eh ben justement, je t'en avais parlé de ça, je crois, Rudy, au téléphone ou sur TS peut-être, avec le fait que j'avais déjà tué des hunters au pistolet infini. Eh ben comme ça, t'as pu le voir par toi-même. Tu l'auras vu dans cette vidéo. Alors ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Donc je prends les rubans ici. Donc, parce que là on va faire notre sauvegarde numéro 9. Par contre, j'avais noté sur papier ce qu'il me fallait à chaque sauvegarde. À chaque numéro de sauvegarde, j'avais noté sur un papier
ce qu'il fallait que j'aie sur moi comme objet pour éviter de devoir faire des allers-retours inutiles. Enfin, si je trouve le bon papier, bien sûr, parce que je vois que dalle. Sauvegarde numéro 9, il me faut le pistolet, ouais, ça c'est habituel. La manivelle, ça je sais. Lance-grenade et soins. Voilà, c'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Alors, ça dégage. Il est où le lance-patate? Coucou le lance-patate, tu es où? Non, pas le lance-roquette, le lance-patate. Un objet de soin. Ah ben je vais faire ça. La manivelle exa. Acide ou normal. J'espère que j'ai rien oublié. Alors, contre les araignées, c'est quoi le mieux, des normales ou des acides? C'est une bonne question ça. On verra avec les normales ce que ça donne. Demi-tour. Là, on va faire notre sauvegarde numéro 9. Je vais la faire là. Voilà. Ensuite, bon. Comme on vient de sauvegarder, je vais prendre mon temps pour réfléchir, quitte à recharger la partie. Pour voir l'ordre des choses, alors. Bon, ouais, déjà, on va faire. Je vais ranger les rubans déjà. Dans cette partie, je sais bien qu'on va devoir s'occuper d'esquiver les deux boulets là. Comment? Et merde, quelle connerie j'ai faite encore. Donc, je sais bien que ici, on a besoin de la manivelle hexagonale. Écoutez, on va voir au fur et à mesure, hein, parce que je vais essayer de réfléchir tout en avançant pour éviter de perdre du temps, parce que ça serait con quand même. On en est à combien de temps? 17 minutes? Ouais, ça va. Normalement, je suis dans les temps. Donc là, je vais avoir le premier boulet à esquiver, ce qui va pas être de la tarte. Alors, voilà. Donc, on va jusque-là. Demi-tour. Et avant d'avancer, je vais me déséquiper. Ben, celui-là, à la limite, c'est le plus casse-couille, je vais dire, à esquiver. C'est pas difficile, mais si on se prend le mur, c'est mort. Alors maintenant, on va par ici. Donc le plus dans. Oh putain, non. J'ai pris quel soin complet, moi? J'ai pris celui anti-poison, je crois. Ouais, ça, je crois. Enfin, au pire, c'est pas grave. Mais parce que cette pute, cette salope d'araignée, moi, franchement, l'affaire à la B61, non. Hein. Une, deux, trois et quatre. Putain de merde, mais c'est quoi ça pour une araignée? Putain, elle est trop résistante. Hein. Wow! Allez, relève-toi, connasse. Grouille! Je m'en doutais de celle-là. Putain. Voilà, on a une de morte. Toi aussi. Le couteau. Ok, allez. Elle est où la porte? Non, pas celle-là, putain. J'ai intérêt à me dépêcher parce qu'il y a deux. C'est quoi ça? Oh, c'est pas vrai, putain. Tout ça parce que j'ai marché dans son truc.
Hey, mais c'est du délire ça les gars quoi. Oh putain, c'est quoi ça pour un jeu, allez. Hey, elle a des chaussures quoi, allez, putain. Regardez, elle voulait encore une araignée qui réplique. Putain, j'ai plus de soins, j'ai plus d'antipoison, c'est génial. Ça promet. En plus, si je me trompe pas dans cette partie-ci, on va se taper 10 ans en plus. Par contre. Évitons les conneries. C'est pas. Ouais, ici on va avoir la deuxième pierre. Ah oui, ici il faut faire trois fois la manivelle. Putain, je suis en jaune et j'ai pas de soin avec le poison de merde. Là, ça va être chaud pour ma vie. Numéro 2. Allez. Numéro 3. Bon, par contre, avant d'aller dans la salle, je vais aller voir quelque chose parce que je me demande si au fond de ce couloir, s'il n'y a pas justement un soin. Ah, si là-dedans il doit y avoir un soin, ça m'arrangerait bien au cas où. Allez, bouge. Ah, putain, un spray, c'est parfait. Ok, au cas où, j'ai de quoi me soigner. Parce que ici, ça risque de me prendre un petit peu de temps. D'abord, il faut que je pousse la statue, puis faire la manivelle, refaire la manivelle, rebouger. Ouais, ça va être emmerdant cette partie-ci. Elle est casse-couille. Soucis, j'arrive à ne pas avoir trop de problèmes quand même. Enfin, en tout cas, côté temps, ça va plus ou moins. Disons que c'est acceptable. Même si c'est pas mon goût, mais bon. Bon, tu pousses. Allez. Allez, Jules, fais pas chier, c'est pas le moment. Je crois que ça sera bon comme ça. Alors maintenant, j'espère que je l'ai bien placé. Au pire, il y aura qu'à la rebouger un peu. Je sais même plus. Ouais, au passage, tant que j'y pense, Rudy. Je passe un petit message pour toi Rudy et enfin je vais commencer par un petit par mon petit message pour toi Rudy comment par rapport à The Evil Within que tu es en train de faire que tu fais direct en mode normal alors que c'est un jeu enfin du peu que j'en ai vu jusqu'à maintenant. Ça me paraît un jeu qui est assez difficile, surtout quand tu connais pas. Franchement, je dis quand même chapeau parce que jusqu'à maintenant, je trouve que tu te débrouilles assez bien.
Ensuite, comment ben, j'ai à peu près le même message pour toi, Bis, justement par rapport à ton let's play Devil Within. Donc, c'est un message pour vous deux, pour toi et Rudy. Comment c'est que, franchement, chapeau, vous jouez direct en normal. En plus de ce que je vois, c'est assez chaud comme jeu. Et personnellement, c'est mon avis personnel, je n'y ai pas joué et je ne compte pas acheter le jeu. De toute façon, j'ai pas les moyens de me payer ce jeu à 54,99€ si j'ai bonne mémoire. Mais de toute façon, ça m'intéresse pas de l'acheter. Il est beau et tout, mais par contre, il y a un truc que j'ai pu remarquer en regardant vos let's play. C'est quoi cette visée vraiment pourrie, quoi? Ils arrivent à faire des jeux comme Resident Evil 6 ou quoi avec une bonne visée. Et comment? Et merde, je sais plus où j'en étais du coup, moi. Ah, je cause, je cause, je cause, je cause, et maintenant je m'y perds. Putain. Alors je dois aller par là. Je sais même plus ce que je disais du coup. Ouais. Franchement, je trouve que la visée de The Evil Within est une visée encore plus merdique que la visée qu'il y a dans Resident Evil Révélation 1. Et si je compare à la visée de Resident Evil Révélation 1, c'est parce que j'ai joué à la démo de Resident Evil Révélation 1 et j'ai trouvé la visée, mais alors pourrie de chez pourrie, quoi. Franchement, je sais pas comment vous arrivez à jouer avec un truc pareil. Alors ça on combine, ça on utilise. Le code c'est 4 2 3 1. Ok, ça va, je me suis pas planté. Donc voilà, maintenant c'est mon avis perso, je n'y ai pas joué. J'ai beau regarder sur le PlayStation sur le PlayStation Store, je ne vois aucune démo de The Evil Within. Ce qui m'aurait bien plu de voir une démo pour ce jeu parce que ben, ça m'aurait permis de le tester moi-même. Parce que bon, personnellement, vous voir y jouer, ça me donne une idée globale du jeu. Mais je peux pas me faire un avis perso par rapport à la jouabilité, je vais dire. Parce que ça, on a chacun nos exigences de gameplay, etc. Donc, merde, c'est laquelle que je dois prendre? Non, c'est par là que je dois aller en premier. Putain, un anti-poison, ce serait quand même pas mal, hein? Bah, au pire, quand je repasserai au manoir, j'irai en chercher un. Alors ici. Oh putain, non, 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 pas Lisa! Oh putain, sale connasse, hein, faut toujours que tu. Elle m'énerve celle-là. Bon, pour l'instant, je ne ramasse que la plante verte, la rouge, ça sera pour après. Oui, j'essaye de me concentrer sur le jeu tout en bavardant parce que bon, quand on joue en même temps, je vous assure que c'est pas évident. Allez, putain, grimpe sur la caisse, connasse. Putain, tu vas pas m'emmerder quand même. Alors là, ok, ça je prends. Et le reste, ça va se faire foutre. De toute façon, c'est juste un taser et des balles pour pistolet. Ah,
Très bien, d'ailleurs, tant qu'à faire. Après le speedrun, donc une fois qu'il sera terminé, je referai une ou deux vidéos de Resident Evil 6, là, avec Léon. Enfin, quand la PS3 sera rebranchée, parce que je peux pas brancher les deux consoles en même temps, j'ai pas assez de place sur le multiprise. Et dites-vous que j'ai un multiprise 6 prises. Donc c'est pas un petit quand même. Mais bon, j'ai déjà les deux PC parce que bon, j'ai mon PC portable qui est branché. Étant donné que la batterie du PC portable est naze. Enfin en même temps, il a 10 ans le PC portable, si pas plus. J'ai la tour, plus l'écran, plus la TV, plus la console, plus la chaîne Hi-Fi pour le son. J'en suis au côté vie. Ok, je suis toujours en vert. Alors, Lisa, si elle me touche 3 fois, je suis mort. Donc, elle a plutôt pas intérêt à me toucher. Elle est où? Oh putain, pourquoi elle est toujours dans mon chemin? Bon, ben, j'ai pas le choix. Enfin, en même temps, je ramasse l'herbe rouge, c'est pas plus mal, peut-être. Je sais plus ce que je racontais. Oui, bon, sinon, pour ce qui est... Merde, je me suis planté, c'est pas par ici que je dois aller. Pour ce qui est du Resident Evil Remake, une fois le speedrun terminé, je compte faire... Ben, de mon côté, je vais faire le jeu complet, donc avec Jill et avec Chris en mode normal, tous les deux. Mais en sauvant tous les persos, donc en sauvant Barry et Chris pour Jill, comment? Rebecca et Jill pour Chris, comment? Merde, qu'est-ce que je fais? Quel con! Ça, c'est la boulette à pas faire. Je parle et je m'y retrouve pas. On n'est plus très loin de la sauvegarde numéro 10, mais... je sais plus du coup. Oui, bon, j'étais en train de dire que je referai le jeu autant de fois que nécessaire avec Jill et avec Chris en mode normal en sauvant tous les persos. Pour déverrouiller le mode invisible et bien évidemment par la même occasion le mode comment ça s'appelle le mode forest ou je sais plus comment ils appellent ça forest player ou un truc ainsi enfin bref avec forest qui vous court au cul dans le manoir quoi comment ainsi je pourrais vous faire ce mode invisible comment en vidéo. Donc en vidéo, le mode invisible, je vous le ferai en mode normal, mais étant donné que c'est le mode invisible, donc ça sera un petit peu comme le let's play, à une différence près, c'est que j'utiliserai le pistolet infini, pour ce mode invisible, ce qui pourra peut-être m'éviter quelques soucis. Je n'utiliserai pas le lance-roquette, du moins pas en vidéo en tout cas. Quand je dis pas en vidéo, sachez quand même une chose, c'est que je ne... si je fais des coupures dans un let's play ou quoi, parce que je suis mort 5-10 fois contre un boss ou quoi, ça je vous le dis, enfin je crois que vous le savez depuis le temps. Donc ça c'est pas nouveau. Ensuite mais ce que je veux dire c'est que moi de mon côté donc quand je vais jouer parce que je testerai le mode invisible avant de vous le faire en vidéo quand je le testerai je le ferai avec le putain hein, elle m'énerve celle-là je le testerai en faisant avec le lance-roquette infini. Bon, tu te bouges, connasse.
Comme ça me permettra de voir un petit peu et de voir un peu comment je peux repérer les ennemis, etc. Donc ça sera un entraînement, quoi, en gros, pour le mode invisible. Et après, je vous le ferai en vidéo. Mais là, en vidéo, je vous le ferai avec le pistolet infini, quoi. Et les autres armes qu'on trouve dans le jeu, bien évidemment. Mais... Oh putain! Ça, c'était pas prévu. Putain, heureusement que j'avais le sang complet sur ma gueule. Allez. Putain, là, c'est du cul quand même. Putain, heureusement que j'étais en jaune et pas en orange, sinon je crois qu'elle m'aurait one shot. Bon, alors ici, où on en est? Ouais, ici, y a rien à prendre. Par contre, ouais, voilà. Alors, là. Putain, le poison, c'est vraiment une plaie, hein. Putain, tout ça à cause de putain de conneries de bestioles. Alors, la boîte, elle est là. Alors, ici, je sais plus exactement. C'est quoi qu'on récupère? Ah oui, juste. Oui, juste. On récupère l'octogone. On s'en fout. Là. Merde. Je blablate et je sais plus. Alors, je viens de récupérer l'octogone, donc maintenant. Ah oui, si je me souviens bien, on se retrouve. Non, c'est pas par là. On va se retrouver à la cabane. Donc la cabane de Lisa. On a combien? 36 minutes, ok. Donc on va se retrouver à la cabane de Lisa. Là, par contre, ben on va faire notre sauvegarde numéro 10. Mais avant, le coffre, il est. Parce que, alors, il va me falloir, si j'ai bonne mémoire. Parce que jusqu'à là, à mon avis, encore une ou deux vidéos, on aura terminé le jeu. Donc, je vais avoir besoin de quoi, moi? Ils sont où les médaillons déjà? T'es où, connard? Alors, ça, je vais avoir besoin. La manivelle, j'en ai plus besoin. Ça, je vais avoir besoin. Ça aussi. Bon, déjà, j'ai les... Bon, ça, on combine. Ensuite, donc, les deux médaillons, ça, oui. L'octogone, ok. Le deuxième, on le récupère là-bas. Par contre, j'ai plutôt intérêt à prendre le magnum avec moi, à mon avis. Et il va me falloir un soin obligé. Quand je vais repasser au manoir, par contre, j'allais me soigner du putain de poison qui commence à me gonfler. Donc ça va être remplacé par... Alors... toute façon, il va me servir à rien d'autre. Donc j'ai les deux. Ouais, j'ai oublié un petit détail. Oh, désolé, ça prend un peu de temps, mais je réfléchis à ce qu'il me faut pour la suite parce que j'ai quoi comme ça? J'ai pas un spray ici dedans? Si, en v'là. On va faire c'est ça pour éviter les conneries. C'est où? Là, voilà. Les balles de Magnum, je vais les garder sur moi de toute façon. Je suis plus à ça près, quoique. Si malheureusement j'ai pas le choix, faut que je dégage ça, sinon j'ai plus la place. Bon, désolé, c'est justement ces deux parties ici qui sont que j'ai le plus de mal à retenir ce qu'il me faut comme objet. Et puis bon, comme numéro 10, ok.
Donc voilà, sur ce, on est à combien? 39 minutes. Donc je vais pas enregistrer la suite parce que ça peut prendre un peu de temps, surtout si je me fais enfin, avoir par Lisa. Ça m'étonnerait puisque j'ai pris le Magnum en conséquence. Comment, pas pour la tuer, mais pour pouvoir la ralentir du moins. Comment ensuite j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai rien oublié, donc ok, ça c'est bon. Donc, eh bien, pour cette partie 6 du speedrun, c'est terminé. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors je tournerai peut-être la partie 7 tantôt, parce que là il est 17h15. Quand j'aurai stoppé l'enregistrement, je vais faire le montage pour pouvoir lancer le rendu. Mais vu le temps de vidéo, je dirais que le rendu va me prendre 2 heures, voire 2 heures et demie. Mais c'est 2 heures, voire 2 heures et demie que mon PC est bloqué. Enfin, ma tour en tout cas. Et comme j'enregistre avec ma tour les vidéos, comment je ne peux pas, je ne pourrai pas enregistrer pendant un rendu, c'est impossible. Ça poserait problème, donc voilà. Donc, bah, peut-être bien que vers 19-20 h, je tournerai la vidéo numéro 7, qui sera l'avant-dernière ou la dernière vidéo, je ne sais pas, ça dépendra du temps que ça me prendra. Parce que quand je regarde, quand je réfléchis, il me reste ben, jusqu'à la sauvegarde numéro 11, à mon avis, 10 minutes, voire peut-être 15 minutes devraient largement suffire. Parce que la sauvegarde numéro 11, on l'a fait à l'entrée du laboratoire. Et après, on ne fait plus de sauvegarde puisque comment c'est le laboratoire, une fois qu'on démarre là à la sauvegarde numéro 11, comment, eh bien, on fait tout le labo d'une seule traite. D'ailleurs, vous verrez comment on procède, comment. Donc voilà, je crois que j'ai rien oublié. Donc ben, je tournerai peut-être la suivante ce soir. Je crois que ah ouais, mais il faut encore que je fasse les uploads aussi. La 4, la 5 ne sont pas uploads. La 6, ben non, forcément. Ben écoutez, je verrai bien. Sur ce, je vous dis au revoir tout le monde.